Et salut à tous! Allez, aujourd'hui, encore un obscur jeu russe au programme, Mafia Racing. Développé par PsychoCraft Studio, un développeur russe donc, et distribué en France par Nobilis, Mafia Racing, ou Nightwatch Racing dans la langue de Shakespeare, est un jeu de voiture arcade sorti sur PC en 2005. Il va vous permettre de vous glisser dans les bottes des membres de la patrouille de jour, ou de la patrouille de nuit, en guerre pour... on sait pas vraiment en fait. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse avec l'intro et un peu de gameplay, et puis on se retrouve juste après. J'en ai encore mal aux doigts. C'est pas faute d'avoir essayé de débloquer le deuxième circuit, hein, j'aurais vraiment voulu vous montrer, mais rien à faire, même en m'appliquant comme un malade, impossible, et même en gagnant en fait.
Donc que dire ? Eh bien, PsychoCraft Studio a réussi à faire un truc que j'ai du mal à concevoir. Ils ont réussi à être encore plus mauvais que Davilex pour faire un jeu de bagnole. Eh, fallait quand même y arriver, hein. Donc graphiquement, c'est sans grand intérêt. Je vous ai dit qu'on était censé être à Moscou. Heureusement, je l'ai lu sur le test en russe du jeu, donc vu les endroits représentés, c'était quand même pas si évident, quoi. Donc les contrôles sont immondes, d'où l'état de mes doigts. Et à force de vouloir faire de l'arcade, bah, les voitures qui rebondissent partout, vous êtes sérieux, quoi. Et les trottoirs en titane massif, hein, non, mais puis niveau son, au moins, il y a du rock en russe, on découvre un petit peu quelque chose, quoi. Mais en ce qui concerne le bruit des voitures, plus l'impression de passer l'aspirateur que d'appuyer sur l'accélérateur. Tiens, juste pour rire, je vous ai mis en commentaire les tests russes des jeux du studio de développement de ce jeu. Et si vous trouviez les tests occidentaux vachards, bah accrochez-vous à vos slips, hein. Enfin bref, encore un jeu obscur, russe, mis au jour par votre humble serviteur. Sur ces bonnes paroles, je vous abandonne et je vous dis à demain.